non, mais non, mais non, mais non. Ah, ça n'arrive qu'à moi, j'ai tout fait renverser. Puis Yola va commencer le petit massage. Bonjour mes amours. On est le combien, Loana? On est le 5 décembre déjà. Aujourd'hui, beaucoup de choses de prévues. Là, il est midi. On s'est préparé. Je vais juste tester un nouveau boucleur que j'ai reçu d'un site pour voir si ça fait beau. Après, j'ai les cheveux courts, donc on verra. Et aujourd'hui, vraiment plein de choses de prévues. On va tourner des vidéos. On en a deux à tourner. Après, on a un rendez-vous à 14h pour un massage. Donc, ça sera trop cool. Pareil, je vais vous emmener avec moi. Après, tu dois aller chez le petit lunetier. Et après, on a un brunch. Et peut-être qu'on voit un ami. Donc, une grosse journée chargée. Je vais vous montrer le boucleur. Je pense que vous devez le connaître. En fait, de base, ma coiffeuse, Jen, elle a le même boucleur. Et du coup, je vais tester. Moi, faut savoir que je me frise strictement jamais les cheveux. Parce que je me dis, j'ai les cheveux courts. Donc, ça peut faire bizarre. Vous savez, c'est genre, je sais pas. On va prendre cette mèche là. Toujours bien brosser vos cheveux avant de les lisser ou les friser. 1, 2, 3. Ça va faire trop beau, ça va faire des vagues. Non, oh, j'adore Loana. C'est trop beau, je vais entrer à Loana, regardez. Après, à voir si ça fait beau sur tous mes cheveux. Regarde, ça a fait une petite vague comme ça. Oh, c'est mignon, j'aime beaucoup. Et en plus, c'est bien, ça me raccourcit pas trop les cheveux. Ouais, ça fait bon, des plages. Je vais tout faire, on se retrouve juste après pour que vous voyez le résultat. Excusez-moi, comment c'est trop beau. J'aime trop, franchement. Je l'ai fait en 5 minutes chrono. C'est super rapide, ça chauffe très rapidement. Et ça me raccourcit pas les cheveux. Vous voyez, ça garde la longueur et ça fait un effet très wavy, très plage, très summer. Moi, franchement, j'aime beaucoup. Après avoir ça tient toute la journée. J'ai pas de lac, malheureusement, donc on verra ça ensemble. Là, je vais me préparer très très vite fait à manger parce que j'ai faim. Et après, on va tourner nos vidéos, soit une, soit deux, en fonction de notre temps. Et voilà, c'est un gros haul-in. Donc ça veut dire qu'en décembre, il y aura un jour où il y aura pas de vlogmas. Ce sera plutôt un haul-in. Là, puisque je n'ai pas le temps de me faire à manger. D'habitude, je me fais un peu des meal prep, vous voyez, où j'ai mes plats qui sont déjà au frais. En tout cas, au moins des féculents, de la viande de cuit. Là, j'ai rien du tout. Regardez ce que je vais me faire. Et bah ça, je crois que c'est des pâtes boulot que j'avais reçues d'un site. Franchement, c'est très bon. Du coup, je vais prendre ça parce que je n'ai pas le temps. Oh non, mais non, mais non, mais non. Ça, j'en ai marre. Ça n'arrive qu'à moi. J'ai tout fait renverser. Je dois à peine mettre de l'eau, mais dans mes comptes que je fais renverser. Voilà, super. Hein. On va refaire. Hein. Mes amours, je n'en peux plus. Vous savez que c'était mon dernier paquet de spaghettis à la bolognaise. Bon, au final, j'ai mangé. Je me suis fait une omelette et des pâtes complètes. On a préparé le setup. Il est actuellement midi 45. De base, on a tourné deux vidéos, mais on n'aura pas le temps parce qu'à 13h30, on doit déjà être parti. Donc là, on filme seulement une vidéo. On va à notre rendez-vous et après, on continue de tourner. Une grosse vidéo Shein. Il y a le carton juste derrière. Ouh. Il est énorme. Je sais pas si vous le voyez. Hier aussi dans le vlogmas je vous ai parlé de confiture parisienne et en fait je vais faire un live TikTok en vous parlant de cette merveilleuse marque et du coup là je dois faire une photo pour leur envoyer ce qu'ils vont faire une sorte de bannière avec ma photo avec le petit code promo etc. Donc je vais essayer de faire la photo seule et si j'y arrive pas Loana va m'aider et comme ça j'envoie ça à la marque et après on prend la route, il nous reste quoi un quart d'heure là. Je vais me faire masser et franchement dites-vous je suis trop contente parce que pourtant j'ai bien dormi cette nuit mais quand je me suis réveillée c'est hyper hard de moi, j'ai des courbatures, j'ai mal au dos et tout. Donc ce massage va me faire trop du bien. En fait c'est la mère d'une copine qui est sophrologue, masseuse. Et en fait c'est tout ce qui est autour du bien-être, de la relaxation. Donc là du coup moi je vais tester ses massages. J'ai vu sur son Instagram qu'elle fait aussi des soins tibéniens si je me trompe pas. Vous savez c'est avec les bols que tu fais résonner. Et en fait avec les vibrations, les sons, et ben ça permet de se mettre dans un bien-être total. Et moi c'est vrai que j'aime beaucoup ça. Je sais qu'on est beaucoup de personnes stressées à cause de l'école, à cause du travail, les fêtes de fin d'année qui arrivent, on est à droite, à gauche, c'est pour ça que là franchement ça va me faire du bien ce bon massage, apparemment elle est vraiment hyper pro, donc franchement j'ai hâte de voir ça, et voilà, là sans plus attendre je vais faire ma photo confiture parisienne et après on y va. Voilà du coup on est sur la route, direction le pressage. C'est surtout moi qui vais me faire masser, franchement je vous avoue que j'ai hâte, là on filme avec le téléphone de Loana, ton son je trouve qu'il est mieux que le mien. Ah ouais, c'est quoi comme iPhone toi? C'est le 12. Le 12 et moi c'est le 13. Mais je trouve que ton son il est beaucoup mieux, il est beaucoup plus élevé. Donc du coup, pareil, là ça nous prend un peu la tête pour la caméra. Parce que hier j'ai contacté quelqu'un, comme je vous ai dit dans le vlogmas, et au final je crois que c'était un fake, elle était trop bizarre. Trop bizarre. Et il faut qu'on trouve une bonne caméra. Si vous avez des bonnes marques à nous conseiller, n'hésitez pas. Je sais que les Sony, les Canon sont bien. Bon, en tout cas, on relativise. Alors on va au rendez-vous. Vous voyez un peu nos journées, comment elles sont atypiques hein, quand même.
Elles sont atypiques. En fait, on a souvent des rendez-vous, on est toujours à droite à gauche. Ouais. Et souvent, on tourne. Après, là, au mois de décembre, vous n'allez pas voir qu'on tourne beaucoup. Parce que de base, on tourne aussi pour Machette. C'est beaucoup des hauls, des vidéos dégustation. Mais là, parce qu'il y a les vlogmas, on n'a pas à tourner ce genre de vidéos. On a seulement tourné les ASMR. Mais... Bon, là, on a quoi? On a 20 minutes de route, je crois. Ouais. Voilà quoi. Rendez-vous massage, j'en fais. On vient d'arriver à destination, je pense bien. Au cabinet. Sophrologie, relaxation, massage. Bah regardez, du coup, Yola va commencer le petit massage. Et en plus, elle est sur, on va dire, un petit matelas. Ouais. Tu sens? Table chauffante. Oui, oui, impeccable. Donc là, on commence par le bas du corps. Les mollets, pour bien les décontracter. Rien qu'en voyant, c'est déjà relaxant. Comment est-ce que les personnes peuvent prendre rendez-vous, que ce soit pour les massages ou également la sophrologie? Tout dépend de la problématique de la personne. Donc, il y a déjà un premier entretien, donc soit par téléphone, soit directement au cabinet, okay. Ou soit en visio, ce que je propose. D'accord. Pour déjà identifier la problématique et voir comment la personne a besoin et a envie d'être accompagnée. D'accord. Donc, soit effectivement par le toucher, donc à travers les massages, donc avec différents massages proposés. Donc, ça peut être les bols, ça peut être les pierres, ça peut être l'ayurvédique, ça peut être la polarité, donc des massages énergétiques. Après, il y a des personnes qui préfèrent être accompagnées directement sur une autre méthode, qui est une médecine douce aussi, c'est la sophrologie. Ça agit sur le plan mental, le cœur, le physique. C'est des exercices de respiration associés à des exercices de détente musculaire. On termine toujours la séance par une visualisation positive. Et par hasard, est-ce que vous faites des cartes cadeaux pour les fêtes ou quoi? Ah oui, oui, bien sûr. Sur le site internet, vous les retrouverez, puis vous pouvez prendre contact. Quand tu sais pas quoi offrir, honnêtement, petite séance de massage, de relaxation, ça fait toujours plaisir. Tu sens les nœuds là? Ouais. Et en plus, c'est vers là, et même quand vous touchez ma nuque, je sens qu'il y a... qu'il faut détendre, quoi. Là, les amis, on passe au bol, les bols chantants, aux fréquences différentes. Ok, donc là, les amis, on va poser des petits galets chauds. Au niveau des nœuds qui persistent pour totalement les détendre. Trop relaxant, franchement, il y a le mélange de tout, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Entre les pierres, les bols, le massage sur tout le corps. Ouais. Incroyable, les nœuds et tout. Moi, tu sais que les bols, alors que c'était pas sur moi, mais avec les fréquences, ça m'a relaxée. Moi, je suis hyper réceptive à ça. Je suis donc rentrée. Comment vous dire que je suis détendue, je suis vidée. Si vous voulez, je vous mets le Instagram de la personne qui fait les massages. Et en plus, elle fait des cartes cadeaux pour Noël, donc n'hésitez pas. Ah, c'est trop bien. Et moi, je le répète, ce que j'ai vraiment aimé, c'est qu'en fait, elle fait autant les pierres que les bols tibétains. Donc, c'est, on appelle ça des bols chanteurs. Que les massages, que de la sophrologie. Donc franchement, il y a vraiment le choix, il y en a pour tous les goûts. Et même moi, qui étais en train de filmer, je suis relaxée grâce aux fréquences différentes qu'on a pu entendre et entendre vibrer dans la pièce. Elle est professionnelle, hein, travaille dans ce domaine depuis plus de 30 ans. Vous la contactez directement sur Instagram, elle est assez réactive et elle va vous répondre assez rapidement. Là, je prends le petit goûter, on a un peu faim. Et après, on va retourner une vidéo ASMR. Oui. On mange une Pantone. Nos parents qui nous ont donné ça, ils ont été en Italie. Et du coup, ils nous ont ramené une bonne Pantone, fruits secs et tout. C'est super bon. Ok, mes amours, on a fini de tourner notre petite vidéo ASMR. Là, on va aller promener le chien. Après, je vais me poser et je vais faire le montage des stories que j'ai publiées. Ça va me prendre pas mal de temps. J'ai aussi un montage TikTok à faire. Et voilà. Vous avez vu mes boucles? Elles restent, hein. Elles sont trop belles. J'ai même pas mis de lac. Je me suis changée, rechangée, etc. Et pourtant, elles restent toujours. J'adore. Trop contente puisque là, je vais chez le petit lunetier pour choisir ma paire de lunettes. Maintenant, je dois porter des lunettes de vue. Donc, du coup, je pense plus me diriger vers une paire de lunettes comme celle que j'ai posée ici. Des grosses noires. Alors, pas forcément des aussi grosses, mais au moins partir sur du noir. Donc, voilà, il y a énormément de monde sur la route. Je sens que je vais arriver en retard. Enfin, en retard. De base, j'ai pas d'horaire, mais j'avais prévu d'arriver à 18h15. Je pense plus que je vais arriver pour 18h30 environ. Donc, voilà. Bon, sur ce, je vous montre juste après ce qu'il y a dans la boutique et ce que j'ai choisi. Mes amours, on
est en train de manger. Ils m'ont livré la box. Elle est trop belle. Ils font ça d'eux-mêmes et tout. Ils ont fait des crêpes, des pancakes, une sorte de petite salade de fruits avec des fruits de la passion, pamplemousse, kaki, dans kiwi. Une partie charcuterie avec un toast. Oh là là. C'est un toast avocat avec du fromage et la graine de chia. Avec un petit jus d'orange, des petits muffins. Enfin, franchement, plutôt sympa. On va aller. Ouais. En fait, pour un matin entre potes, genre si on est entre potes, un week-end, un matin, on a envie de se poser, se caler tranquille. Un dimanche matin, ça c'est trop bien. Pardon. Bon, Loana, elle est repartie promener le chien. Là, je vais aller me démaquiller. Je lave un petit peu l'appart. Il faut que je fasse la vaisselle ici. Il faut aussi que je fasse le linge parce que j'ai fait une bâtée, mais il faut que je fasse sécher le linge. Et après, je vais prendre ma petite douche. Au final, aujourd'hui, j'ai pas pu finir le swap. Vous avez vu, on a une journée chargée, j'ai pas eu le temps. Mais je vais le finir demain. En fait, demain, on va consacrer notre journée à finir le swap et à tourner les swaps. Parce que en fin de semaine, on part en voyage. Donc, vous allez voir si vous avez activé la petite cloche. On part en voyage. Mais pour ça, il faut qu'on ait tourné le swap avant. Comme ça, au moins, on prend pas trop de retard. Et pour le moment, notre appareil, il va bien avec les bouts de scotch. Donc, je vais pas le changer en urgence. De toute façon, je trouve rien du tout. Donc, pour le moment, on va garder cet appareil photo. Et demain, je vais reprendre une bonne alimentation, bien manger protéiné. Parce que là, ces derniers temps, c'est un petit peu tout et n'importe quoi. Ouais, il y a encore du linge qui sèche. Là, je vais tout retirer. Et voilà. Donc, en tout cas, moi, je vous fais plein de gros bisous. Ce vlogmas, bon, il aura pas été extrêmement long. Mais j'espère tout de même qu'il vous aura plu. Rendez-vous demain, 18h, pour de nouvelles aventures. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao.